Hey, salutations à toi petit aventurier des mondes virtuels, bienvenue sur une vidéo consacrée à Spellbreak. Mais qu'est-ce donc que Spellbreak? Bah je vais te le dire en deux mots, Battle Royale. Et là je te sens déçu. Oui, mais c'est un Battle Royale qui non seulement est gratuit, disponible dès maintenant sur l'Epic Game Store, il est aussi disponible sur les consoles, mais je ne sais pas lesquelles, moi je suis un joueur PC, donc tu regarderas sur ton store de ta console s'il y est. Et c'est un Battle Royale où il n'y a pas de construction et il n'y a pas d'armes à feu non plus. Mais alors avec quoi on se bat? Eh bah si t'es un petit peu futé, tu l'auras remarqué sur l'écran, on se bat avec de la magie. Ce sont des sorciers, des combats de sorciers, de magiciens. Et pour cela, nous avons diverses écoles de magie. On peut jouer par exemple la magie du vent avec les compétences qui sont ici. On peut jouer avec l'électricité, avec le givre, avec le feu, avec la terre et avec le poison. On appelle ça la toxicologie dans le jeu. Mais là tout de suite, plutôt que de vous expliquer au travers des menus, je vais plutôt faire autrement. Je vais simplement aller faire le tutoriel. Je l'ai déjà fait, on est obligé de le faire il me semble. En tout cas ça se lance avec le tuto. Et comme ça on aura toutes les explications. Et puis après, eh ben, je vous emmène en game avec moi où j'ai joué cet après-midi sur plusieurs parties avec un ami. Et je vais donc vous les partager. Alors c'est parti, partons sur le tutoriel mes petits potes. Voici donc. Alors graphiquement, on est sur un jeu vraiment de style animé et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Blue Protocol, Genshin Impact, et ben en attendant, on peut faire du Spellbreak. Bref, nous sommes ici dans la première phase du tuto, où là c'est vraiment, cette île là, c'est pour les déplacements. On va nous demander d'aller là où il y a le faisceau lumineux, donc c'est ce qu'on va faire. Et particularité, on peut aussi voler. Donc temporairement, puisque vous avez remarqué qu'il y a une petite barre qui se vide et qui se remplit très vite, hein, donc c'est ça qui est chouette. Mais il y aura d'autres compétences pour voler, pour se téléporter, pour dasher, pour revenir en arrière. Tu verras tout ça dans peut-être dans les games, selon ce que je choisirai, de ce que je trouverai dans les parties. Donc on a la petite Avira Enberdan, hein, qui nous explique gentiment par des petites phrases écrites sur le côté que nous sommes des magiciens, et elle nous explique un petit peu la vie du jeu. Alors évidemment, on ne joue pas un Battle Royale pour le lore, mais il y a tout de même quelques petites explications. Donc oui, on tombe du ciel, hein, comme dans quasiment tous les Battle Royale. Ici, on nous parle. Les portails permettent peut-être de voyager plus vite, mais il manque de précision. Hop. Donc là, on nous explique la lévitation. C'est ça qui est bien avec les tutos, c'est qu'en les faisant, je sais que c'est chiant, mais ça permet à tout le monde de comprendre ce qu'on fait dans le jeu avant d'arriver dans le vif du sujet. Alors, continuez. Donc du coup, là c'est tout facile, hein, mais par après, vous verrez, on verra les stats, enfin les stats, les équipements et le combat. Voilà, je suis arrivé à destination, 2 sur 9. Donc à chaque fois qu'il y a un tuto, une étape à faire, c'est sur une nouvelle île. Alors ici, on va nous expliquer que les pyromanciens commencent avec un gantelet de feu. Tu peux l'utiliser pour lancer un sort. Alors je vais vous montrer. Donc je vais aller à l'endroit où on me demande de me rendre. Voilà. Tous les gantelets permettent d'utiliser un sort avec le clic gauche de la souris et une compétence de type A ou E avec le clavier, avec un raccourci clavier. Je suis désolé si je vais tousser régulièrement durant la vidéo, je suis en train d'avoir un problème avec ma voix à nouveau. Je suis en train de reperdre la voix, enfin je le sens, et c'est pas très agréable. Donc vous avez un gantelet en main gauche, ça c'est le gantelet que vous avez par rapport à la magie que vous allez sélectionner en fait votre classe. Donc bon, ici c'est du feu. Donc là je tire avec mon gantelet clic gauche. Voilà. Ça lui fait des dégâts. Et ça le fait brûler également un petit peu par après. Donc ça fait des dégâts directs plus un dot. Alors attention, dans le jeu il y a du friendly fire. Donc vous pouvez faire des dégâts sur vos amis. Ça c'est pas cool. Bon, sauf si vos amis sont chiants, auquel cas je peux comprendre. Et donc pour changer de magie, eh ben il faut changer de gantelet. Et quand vous allez changer de gantelet, ça va vous changer du coup votre clic gauche et votre compétence que vous pouvez activer, que je n'ai pas encore accessible puisque c'est le tuto. Voilà. Alors, maintenant on a la compétence. Vous voyez qu'il y a un deuxième cercle qui est apparu en bas de mon personnage, qui est actuellement un peu éclairé. C'est pour la fameuse compétence accessible avec le clavier. Donc ici c'est un mur de flammes que j'ai complètement raté parce que je j'ai pas lu. Mais du coup voilà, ça fait un mur de flammes. Et on va attendre qu'il s'efface et je vais le mettre directement sur les ennemis. Et voilà. Ça fait un petit peu bobo quand même quand on va dedans. Alors, voilà, faut maintenir appuyé. On va le placer tout bien comme il faut pour que tout le monde soit dedans. Voilà, vous voyez tous les dégâts que ça fait sur toute la zone.
Et évidemment, cette compétence-là change quand vous changez de magie de gantelet. Par exemple, quand vous faites la magie du vent, eh bien, c'est une tornade que vous invoquez. Tornade qui vous permet même de vous envoler avec. C'est trop bien. Moi, j'aime bien la magie du vent. Et on peut équiper deux gantelets. Et oui, on a deux mains, donc deux gants. J'équipe celui-ci. Donc là, on m'a mis du toxique pour le tuto. Donc, particularité également dans ce jeu, vous pouvez combiner et faire des combos. Les éléments peuvent être combinés pour créer des interactions spéciales. Alors, par exemple, je vous montre, je peux pas faire le clic droit. Donc là, je vais faire la compétence clavier du toxique. Vous voyez que ça fait ça. Mais si je fais... Voilà, si je tire des flammes dedans, vous avez vu, ça a explosé. Et du coup, ça fait des flammes toxiques. Et vous pouvez, par exemple, si vous faites une tornade et que vous lancez de la terre dedans, eh bien, ça va faire une tornade de terre. Voilà, ça va combiner des effets. Alors maintenant, on va passer un petit peu à l'équipement. Donc, on peut trouver des runes dans ce Battle Royale. D'ailleurs, les équipements ont aussi de la rareté, en fait. Donc, vous avez du bleu, du jaune, du violet. Enfin, je ne sais plus trop les couleurs, mais vous les verrez dans les parties, de toute façon. C'est un peu le système de couleurs que l'on retrouve dans tous les autres jeux. Donc, ici, c'est une rune de sang de loup commune. Donc, celle-ci, elle me donne comme particularité de pouvoir voir les ennemis. Donc, on va l'équiper. On a une petite cinématique qui nous montre... Et quand on l'utilise, ça nous permet de voir les ennemis derrière les obstacles. Et de les localiser. Donc là, on me demande de le faire. Et vous pouvez avoir des runes qui vous permettent de voler, de vous TP et tout ça. Il n'y a pas que ça comme rune. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enflammer la zone ici. Voilà, vous avez vu ce que ça fait. Le combo est fait et ça fait beaucoup plus mal du coup. Hop, cinquième étape, les petits potes. Alors, on trouvera aussi des parchemins d'âme, de corps et d'esprit. On va dans la zone indiquée. Les talents sélectionnés s'améliorent en lisant des parchemins du type correspondant. Donc il y a pour l'âme, le corps et l'esprit. Alors voici. Donc c'est simple, hein, quand vous trouvez ces parchemins, il vous suffit de les lire dans la partie. Par contre, attention! Quand vous les lisez, ça prend un petit temps. Donc faut faire gaffe de ne pas être non plus trop à découvert. Alors tous les parchemins que j'ai trouvés sont de couleur orange là par contre. Il n'y a pas de niveau de rareté ou quoi que ce soit. Alors, testons les nouvelles capacités. Éliminons cet ennemi. Donc je peux tirer, voilà, vous voyez, je peux tirer comme ça. Mettez vite. Hop, on lit également ce petit parchemin. Nous allons passer à la prochaine étape. Ouais, le tuto n'est pas très compliqué, mais ça permet d'avoir les bases du jeu pour vous qui arrivez dans la vidéo. Ou qui vous renseignez pour le jeu. L'équipement et les autres objets peuvent être trouvés au sol, dans les coffres ou en butin sur les adversaires. Hop. Donc, on a des bottes. Donc ici, ce sont des bottes communes, hein, qualité blanche, c'est le basique. Les bottes augmenteront toujours votre vitesse de déplacement. Plus la qualité de la botte sera meilleure, plus la vitesse de déplacement sera augmentée. Donc au lieu de plus 1, vous aurez plus 3 ou plus 4 par exemple. Je l'équipe. Nous avons les ceintures. Les ceintures augmentent votre armure. Comme pour les bottes, plus la qualité de la ceinture est élevée, plus l'armure augmentée est importante, est élevée. Et vous avez les amulettes. Les amulettes, c'est ce qui vous donnera le plus de mana possible. Voilà qui est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'elle me veut? On va continuer d'avancer. Ah, voilà. Alors, voilà. Cette fois-ci, nous avons les objets de qualité vert. Donc, ça augmente l'armure de 40 quand c'est la qualité verte. Vous voyez, les bottes, cette fois-ci, elles passent en vitesse de déplacement plus 4 quand c'est épique. Et l'amulette augmente mon mana de 30. De mémoire, je crois que c'était 20, la blanche. Voilà qui est fait. Et bah, c'est le moment d'avoir la suite, madame. Voici. Tu peux aussi récupérer des points de santé et d'armure. Mais cette ceinture, d'accord? Aïe! Oui, je t'ai frappé, arrête de geindre. Je ne peux pas t'apprendre à te soigner si tu n'as pas de blessure. Ce qui n'est pas faux en soi. Donc vous avez des petites potions de santé, mais il y a aussi dans le jeu des grandes potions de santé. Je crois que c'est pareil pour les boucliers. Je la prends. Et je l'utilise avec les raccourcis qui sont indiqués ici. Vous pouvez modifier les raccourcis dans le jeu. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est faisable. Et vous avez également du bouclier.
Le bouclier va apparaître au-dessus de ma barre de vie. Vous allez voir, il y a une petite barre bleue qui est en train de grandir. C'est donc mon shield. Voilà, maintenant je suis full shield et full PV. La communication et le travail sont la clé du succès. Fais équipe avec ton escouade pour remporter la victoire. Donc ici on nous a mis un PNJ neutre mais qui est un ami. Bonjour monsieur le mage. Ah, madame la mage. Alors évidemment, on nous explique que tout ne se passe pas toujours comme prévu et vos coéquipiers, ou vous-même, hein, vous pouvez mourir. Et on peut vous réanimer. Quand vous mourrez, vous êtes cette petite boule d'énergie. Là, elle ne se déplace pas, mais vous pouvez vous déplacer quand vous êtes la boule d'énergie. Et tant que vous êtes en boule d'énergie, vos coéquipiers peuvent vous... Oh bah articule, dis donc. Enlève ce paquet de pinaki que t'as dans la bouche. Donc, vos collègues peuvent vous ressusciter, mais par contre, vous pouvez aussi achever l'ennemi. Car des fois, il va apparaître sous cette forme de boule d'énergie. Si vous ne tuez pas cette boule d'énergie en allant dessus et en cliquant sur détruire, eh bien du coup, les potes peuvent le réanimer aussi. Bref, sortons d'ici. Qu'il faut faire maintenant? Ouvre ta carte et utilise le portail. Très bien. Allons dans le practice. Donc là, c'est toujours contre des bots. Hein. Foufou! Impressionnant, avec un peu de chance et beaucoup d'efforts, tu deviendras un mage de compétition. Et nous voici sur le terrain d'entraînement. Hop. Donc on a une rune chute de plume, une petite potion. Ça, ce sont des coffres. Alors il n'y a pas que ce coffre là, il y a plusieurs styles de coffres disponibles dans la map. Donc là j'ai une ceinture épique, vous voyez, plus 80 d'armure. Allez hop. Ce qui est mieux que la verte qui me donnait 40. Petit fragment d'armure. Un petit tour, voir s'il n'y a pas d'autres équipements à nous montrer. Et que je puisse vous montrer, genre différents gantelets. Là, il y a encore un coffre. Tenez, on va l'ouvrir. Et des fois, dans la map, vous trouverez des espèces de bulles, comme des shields. Et en fait, c'est comme s'il y avait un largage dans les autres MMO, sauf que là, c'est au sol. Ça va prendre un peu de temps avant d'apparaître, parce que la bulle va rétrécir sur elle-même. Et c'est seulement quand elle aura fini que vous pourrez choper, du coup, l'item qui est dedans. Alors. Une rune de chute de plume. Une rune de saut commun. Envol commune. Alors par exemple, voyez, la rune que j'avais actuellement, c'est celle qui me montre les ennemis. Mais si je change ma rune, on va prendre téléportation. Cette fois-ci, je suis en téléportation. Je vais attendre que le cooldown se termine. En attendant, je vais tuer ces petits kiki. Vous voyez, je peux faire des petites boules de feu tranquillou. Ou alors lancer du poison comme ça sur une petite zone à travers plusieurs boulettes. Mais je peux aussi faire ça parce que c'est quand même mieux quand ça explose. C'est bon, le shift est fini. Donc cette fois-ci mon shift me fait un TP. Alors, normalement je crois que je peux choisir où me TP. Hein. Sauf que là j'étais un petit peu trop vite. Hop, il y a quoi ici? Bonjour messieurs, je fais que passer. Ceinture, ceinture. Ah, les gantelets. Ok. Alors, je vais vous montrer la glace. Alors, quand vous changez de gantelet en jeu, ça ne changera que le gantelet de droite. Celui de gauche sera forcément de la magie que vous avez choisi pour votre classe. Et là, du coup, vous voyez, hop, ça c'est la glace. Et ce qui est bien avec la glace, c'est que quand vous faites la compétence sur le sol, là où je vais vous montrer dès qu'elle est chargée, on attend... Ah merde, j'ai fait celle de feu. Moi ce que je veux c'est celle de glace. Ah bah ça ne l'a pas fait du coup. Bon, je connais pas encore tous les combos, mais je sais qu'on peut faire une zone de glace sur le sol et vous pouvez patiner dessus et vous déplacer plus vite. Le toxique on l'a déjà regardé. La glace on l'a vu. Le vent. On va vous montrer le vent. Donc le vent, vous lancez des petits coups de vent et vous faites surtout des tornades. Donc je vais vous montrer. Et selon votre développement de niveau dans une partie, bah vos tornades auront divers effets comme le fait que vous pourrez vous envoler avec. Chose que vous ne ferez pas dès le début de la partie. Voilà. Vous voyez, j'ai pu l'enflammer. Faire donc des combos. Je vais vous montrer l'électricité. Donc je vais mettre l'électricité. Donc qui tire évidemment de la foudre. On attend que ça recharge au niveau de l'électricité. Et je vais vous montrer la tempête que ça fait. Ça fait une petite tempête de foudre. Allez, 2, 1. C'est bientôt chargé. C'est chargé. Voilà.
Vous avez vu ce que ça a fait du coup. On a le toxique qu'on a déjà vu. La terre. Hop, on met la terre. Après, je pense qu'on aura quasiment tout vu. Hein. Bon, si j'en oublie un, c'est pas très grave. Donc la terre, pardon, la terre tire. Vous avez vu, ça fait toute une rangée sur le sol, sur une distance d'à peu près 20 mètres, ça fracasse le sol. Et là, ça lance un gros projectile. Voilà, vous lancez un truc assez gros. Ben voilà pour le tuto. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que... Ah non, je vais peut-être vous montrer peut-être le menu du jeu avec d'autres trucs. Revenir au menu principal. Donc vous pouvez jouer seul ou jusqu'à 3. Il y a une boutique. Ah, la boutique, il n'y a pas grand chose, mais c'est renouvelé quotidiennement. Donc ce sont des tenues. Au niveau des tarifs, ça fait combien? 1000 crédits, c'est 8 euros. Bon, bah ça fait 10 euros le skin, quoi, en gros. Voilà. Sinon, vous avez aussi la personnalisation d'autres choses. Ce que vous pouvez, en cosmétique, avoir forcément des tenues. Donc, ça, c'est un exemple de différentes tenues que j'ai déjà dans le jeu. Des artefacts. L'artefact, je crois que c'est un petit truc cosmétique qui va s'accrocher à votre armure, par exemple. Il y a la poste luminescence, donc c'est la traînée que vous faites derrière vous. Il y a une autre traînée, c'est la traînée céleste, donc vous pouvez changer la couleur derrière. Vous avez différentes emotes. Pour l'instant, il y a, bah, moi j'ai que ça. C'est pas énorme. Vous avez l'emote de vainqueur, parce que quand vous êtes gagnant, bah, comme sur Overwatch un petit peu, il y a un peu votre photo qui apparaît. On va avoir un badge. La carte, voilà, c'est l'encart, le fond de l'encart, et un titre. Voilà, tout simplement. Et maintenant, moi, je vous laisse, les petits amis, et je vous retrouve dans les parties avec un pote que vous connaissez peut-être, hein, c'est celui avec qui je joue à Black Desert Online, c'est Sparrow sur le Discord, et moi, je vous fais des gros bisous, et on se retrouve en game. Bon, alors, je vous avais promis des games avec un ami, mais en fait, cet après-midi, les games que j'ai faites, le Discord n'a pas été record dans mon logiciel d'enregistrement de vidéo, c'est fort dommage. Donc faudra vous contenter de moi tout seul. Donc on va partir avec de la magie de la pierre en tant que classe par défaut, par départ, du départ. On va y arriver. Oh bah dis donc, ouais, j'ai pris quelques rails de coke là avant de lancer la partie, ça va être beau. Donc là évidemment nous sommes dans le lobby. Vous pouvez voir mon merveilleux skin qui fait un petit peu extraterrestre avec des espèces de petites tentacules sur le casque. On aime beaucoup, on kiffe. Alors la partie commence dans 8 secondes, j'ai lancé les games en solo, on peut jouer en solo et en trio, le duo est indiqué mais il est barré pour l'instant, donc je suppose que le duo ne devrait pas tarder à arriver, et on peut choisir sa zone de départ, donc les petits cercles ici, et les petits cercles bleus ce sont des endroits un peu comme du largage, il y a du bon stuff dedans quoi, donc en général les gens vont vouloir aller par là au début. Moi je suis nul dans les BR, hein. Je suis pas du tout un jeu, de toute façon je suis nul dans les jeux tout court, pourquoi je précise BR? Non, je suis nul dans les jeux tout court. Donc je vais me mettre un petit peu à l'écart, histoire d'avoir un petit peu de temps pour looter. Et comme dans tous les BR, mes petits amis, on tombe du ciel. Bon, on tombe du ciel mais pas trop vite non plus, faudrait pas s'écraser. Je vais essayer d'aller, il y a un château ici. Forcément, s'il y a un château, il y a plein de pièces et il y a forcément des petits coffres à ouvrir et de quoi se faire un petit loot. Alors vous attendez pas du gameplay de Fifou transcendant, je débute dans le jeu. J'y joue, j'ai dû faire 10 games au total. On ramasse la potion de soin. Et n'étant pas déjà par défaut un joueur de BR, forcément, ça sera pas transcendant. On a un autre coffre ici. On va vite l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des bottes communes qui augmentent ma vitesse de 1 et un gantelet de vent rare. Très bien, je vais prendre ça en attendant. Ça sera pas le vent que je voudrais garder en tant qu'arme secondaire. Mais à défaut de rien, bah, c'est mieux. Ici, on a des popos. Encore des popos. On va ramasser le plus de popos qu'on peut trouver. Encore. Un gantelet de vent commun. Pas la peine, j'ai mieux. Ici, on a encore une potion. Voilà. Mais ce qu'il nous faudrait, nous, c'est de l'équipement. Alors, je pense qu'il y a des coffres ici que j'ai pas ouverts. Là, il y a un truc. Non, je l'ai déjà fait ça. C'est des bottes de merde. Il n'y a rien en bas? Non. Alors j'ai équipé une rune, c'est pas la rune que je préfère, on va voir ce qu'elle fait. Ok, c'est un envol, vous voyez, je peux m'envoler, c'est grâce à la rune que j'ai équipée. Hop. Alors, y a-t-il un coffre ici? Là, y a rien. Ah, je crois que j'ai entendu des joueurs. Là, y a rien non plus.
Ah oui, il y a déjà des combats, ça commence bien. Je suis pas stuff, j'ai rien du tout. On va ouvrir le coffre ici, en espérant que personne nous ait vu. On a une rune d'invisibilité épique, donc je vais plutôt prendre cette rune là. Et grâce à ça, je peux me mettre en invisible. Je vais vous montrer dès que ce sera possible. Encore quelques secondes. Pour l'instant, je peux pas encore utiliser mes popos de shield. Je ne crois pas. S, non c'est 5. Ah si je peux, donc je vais mettre mes shields. Alors là il n'y a rien. On va se mettre en invisible, voilà ça donne ça. Et comme ça vous voyez un petit peu la durée de l'invisibilité que je peux avoir grâce à cette rune. Vous avez vu qu'il y avait du combat là-bas. Je vais quand même tenter de lire le parchemin. C'est bon, j'ai pu le lire. Ça c'est une rune de propulsion, je m'en fous. Et je me remets invisible comme ça il ne voit pas où je vais. Et je vais aller incognito récupérer du stuff ici, ici. Oula. Allez, je vais te tuer. Yeah. On a notre premier kill, les amis. Et en plus, ce petit margoulin, il avait un truc épique. Gantelet de glace rare. C'est quoi ça? Rune d'envol, je la prends pas. Des bottes meilleures. Ok, non, je vais prendre la glace à la place du vent que j'avais. Et on va se refaire un petit peu de shield parce que mine de rien, on a un petit peu souffert. Ok, on va ouvrir. On a un merveilleux epic chest avec une ceinture épique, mais j'ai déjà. Je vais lire le parchemin pour améliorer mes aptitudes. Ouvrir celui-ci. C'est bien, on a déjà un kill. Rune de sang de loup, ça c'est ce qui permet de voir les ennemis à travers les murs et tout ça temporairement. Je vais me refoutre en invisible. Et en étant visible, je peux me shield. Je vais me refaire un petit peu de vie aussi. Voilà. J'étais pas full life. Ici on a gantelet de feu. Gantelet de vent rare. Mais j'ai toujours rien, vous avez remarqué, pour la pierre j'ai toujours rien. Je suis toujours sur mon stuff de base au niveau du gantelet de pierre. C'est pas jojo. On aimerait bien avoir un petit peu mieux. Le shield n'est pas toujours remis. Donc je vais me refaire du shield. Là, peut-être qu'on aura quelque chose d'intéressant ici. Une amulette rare. J'ai déjà. Je me refous en fufu. Il y a du shield. Attendez, on va se faire. On n'est pas à fond dans le shield encore. Je peux encore en prendre. Oui, oui. Ah! Voilà, donc là je me casse parce que j'ai pas eu le temps de voir où c'était. Et je vais pas prendre le combat car je suis pas encore bien au niveau du shield. Et je suis pas un bon joueur. Je vais me mettre là. Allez, on se casse. Alors, la zone, elle est où d'ailleurs? Ah, bah, je suis dans la zone. Donc, ça, c'est nice. On va, dès qu'on peut, voilà, on se remet en invisible. On va aller voir. Il y a l'air d'avoir eu un combat par ici. Gantelet de glace. Rare, donc j'ai déjà. Faudrait que je trouve. C'est du shield. J'aimerais bien avoir un gantelet de pierre quand même qui soit de meilleure qualité que la merdouille que j'ai. Ça pourrait être sympa. Oh. Fragment d'armure. Donc je vais déjà mettre ça pour l'armure. Donc c'est la touche 6, je l'équipe. Non, c'est Z. Nice. Et toi, je te récupère parce que j'ai de la place à nouveau. Un truc ici. Ouais, ça a déjà été ouvert. Évidemment. Allez, on va voir ailleurs si j'y suis. Quelque chose me dit que j'y suis pas. Foudre commun. On n'a pas de cul sur les loot là. Orage en approche, mais je suis dans la zone safe, donc pas de soucis.
Oh là là, c'est la Bérésina. Y'a rien. Je vais devoir aller ici dans ce château, mes amis. On va pénétrer par en dessous. Des coffres en dessous. Comme on peut voler dans le jeu, je pense que les gens par défaut vont au-dessus. Il y avait rien. On va aller voir dans la tour ici. Quelque chose d'intéressant. Il n'y a rien. Là, il y a un coffre. On va l'ouvrir. Alors, on va lire le parchemin pour nos aptitudes. Botte peu commune, j'ai mieux. Et ça, j'ai déjà. Hop. Allez, qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Super, super. C'est pas avec ça qu'on va aller loin. Oh là! Alors, grand fragment d'armure. Gantelet de pierre. Amulette. Bottes rares. Je vais prendre les bottes. Ceinture rare, déjà équipée. Je prends. Grand fragment d'armure. Je vais quand même prendre un grand fragment d'armure parce que j'ai rien. Il y a moyen d'avoir un gantelet de pierre? Ah bah voilà, suffisait de demander. Rune d'invisibilité rare, j'ai mieux. Rare. Alors, gantelet toxique. Gantelet de pierre rare, on prend. Les bottes, j'ai... Ok. Ah, on est plus que 9 dans la game. Ok. Moi, il y a un joueur ici. Non, c'est la zone. Je croyais que c'était le bruit d'un joueur. Oh, un coffre. Il n'a pas été ouvert. 5, je vais utiliser pour me mettre full shield. Là, je ramasse le petit fragment d'armure ici. Je lis cette petite chose très intéressante. Et l'amulette, c'est bon. Amulette épique. Ah, je l'ai eu! Ah, le margoulin, il me suit! Ok, je vais mettre là. Je vais me remettre du shield. Bon, je l'ai eu, mais je l'ai pas achevé. Parce que si on l'achève pas, il est en petite forme de boule lumineuse et il peut se faire res par ses potes. J'améliore. Gantelet de pierre épique, je prends. Et on se casse. Nice, on est à 2 kills, il en est plus que 4. Ah, je suis désolé, il y a un petit bibib Discord, j'ai pas pensé à enlever le truc. On va se faire vite fait une petite popo de soin. Ah non, je vais crever. Je me casse. Je vais me mettre là. Ah, il m'a vu, hein. Non, il m'a pas vu, je suis con, je suis invisible. Ok. Oh, il y a un truc épique là.
Clé de pierre épique. Okay. J'ai déjà. Ok. Ok. Alors, il me faudrait du shield. J'ai pas. Pas du shield ici. Empoché. Empoché. Ah là là, le stress. Ok. Shield, shield, shield. On se remet invisible tant que ça remonte parce que je sais pas jusqu'où ça va remonter. Ok, faut que j'aille dans la zone. Nice. On va se cacher là. On va attendre. Comme une pupute. Normalement là c'est bon, là je suis pile poil à la fin de la zone. Quelque chose là. Allez, on va y arriver. Ils sont où? Je ne les vois pas. Ok, je peux me remettre invisible. Je vais me remettre du shield. Ah, il est où? Ah! Oh! Oh là là! Bah écoutez, bah voilà, c'est un top 1. C'est merveilleux, c'est cool, je suis très content. Bon, on a fait que 3 kills, mais c'est un top 1, voilà. Et bah écoutez, une game de présenté et un top 1. Je ne peux pas faire mieux. On va quitter donc la game. Bah écoutez, je suis très fier de moi. Pour quelqu'un qui joue pas au BR et qui est à chier, c'est plutôt cool. Donc du coup ça nous fait de l'XP pour nos grades, même si j'ai pas encore pris de trucs. On a eu des distinctions, victoire, 3-2 moins, jolie trouvaille, première élimination, égalité des chances. Ok. Et ben voilà les petits amis, c'était de quoi vous montrer une petite game sur Spellbreak. Évidemment toutes les games ne sont pas qu'avec 3 kills, hein. Tu peux en faire beaucoup plus. C'est beaucoup plus trépidant, beaucoup plus actif quand t'es en escouade avec des potes forcément, puisque bah, vous pouvez vous indiquer où sont les ennemis, vous pouvez faire des assauts à 3, voilà, tenter des trucs. Quand t'es tout seul, bah, y a moins de stratégie, mais ça reste tout de même très intéressant. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné peut-être envie de jouer à Spellbreak. C'est pas du tout une vidéo sponsor ou quoi que ce soit. J'ai pas de lien affilié à vous donner, rien du tout. Ça sera le lien officiel pour PC, donc je vous donnerai le lien Epic, mais vous verrez, c'est pas un lien affilié. Sur ce, je vous fais des gros bisous, des gros kissous. Si vous avez apprécié cette petite vidéo sur Spellbreak, eh bien, likez-la, commentez-la. Et puis si tu viens de t'abonner durant cette vidéo, je te souhaite la bienvenue. Sur ce, très bon jeu à tout le monde, et ce, peu importe à quel jeu vous allez jouer. Ciao, bye bye.